Salut tout le monde, c'est Alex Yuki, on se retrouve pour un nouveau let's play sur un jeu que j'attends depuis si longtemps. J'attends de jouer à un jeu Persona depuis si longtemps. Et je ne voulais pas faire les jeux en anglais parce que je ne fais que des vidéos sur des jeux en français, puisque c'est bien plus simple. Mais enfin, je vais pouvoir vous proposer du Persona sur ma chaîne. Nous sommes sur Persona 5 Royal, une version améliorée de Persona 5 qui est considérée comme l'un des meilleurs JRPG au moins de la dernière décennie et de... l'un des meilleurs JRPG de tous les temps, peut-être. Je ne sais pas, on verra bien, je vais juger par moi-même, puisque voilà, c'est une version améliorée, donc normalement, ça devrait être encore mieux. Et quel kiff, j'attendais ce jeu depuis si longtemps. Et particularité de ce let's play, c'est que une partie de ce let's play sera faite en live sur ma chaîne Twitch, Alex Yuki avec 3 i, le lien est dans la description. Et si vous regardez cet épisode dès sa sortie, eh bien on se donne rendez-vous ce soir à 20h30 pour le premier live sur le let's play de Persona 5 Royal. Et on se retrouvera tous les mardis et vendredis pour continuer le jeu sur ma chaîne Twitch. Et aussi, comme d'habitude, avant de commencer le let's play, eh bien j'ai besoin de vous, mesdames et messieurs. J'ai besoin d'un maximum de likes pour faire connaître ce let's play, pour faire connaître ma chaîne. Et ce serait très sympathique de votre part de prendre, voilà, 5 secondes pour mettre un petit like sur cette vidéo. Voilà, je vous le demanderai pas pour les autres épisodes, pas forcément, vraiment, c'est vraiment ce premier épisode qui est très important pour moi. Ça me ferait très plaisir, ça vous prend que 5 secondes et moi, ça m'aide énormément. Et maintenant, passons à ce personnage, je n'ai plus envie d'attendre, j'ai envie de commencer ce jeu, et on va voir ça tout de suite. J'accepte quand même. Je suis un être ayant accepté les conditions. Les conditions ci-dessus, ok. 確かに受けたまわった。 今世界はあるべき姿にあらず。歪みに満ち、もはや破滅は免れない。定めにあらがい変革を望む者、それは時にトリックスターとも呼ばれた。汝トリックスターよ。今こそこの世の歪みの深淵に立ち向かうがいい。 いるぞ。いたぞ、すぐに始末しろ。 Ok, on est sur le jeu, voix de garçonnet, bien, il faut courir maintenant. Donc l'intro a l'air d'être très similaire à celle de Persona 5, j'ai jamais joué à Persona 5, mais j'ai déjà regardé un let's play de Persona 5, en tout cas une bonne partie. Donc je connais un petit peu le début, et comme ça je peux au moins comparer un petit peu pour voir s'il y a de grosses différences avec le premier Persona, mais pour l'instant on commence dans les mêmes conditions que le premier, enfin Persona 5. On commence dans les mêmes conditions que Persona 5 normal. Et il faut courir maintenant. Oh, super, lui.
J'adore. C'est notre seule chance. Suspect non confirmé, restez à vos postes. Oh là 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 là. Alors, s'échapper. Oh là là, j'adore, j'adore. Bon, ça c'est pour la caméra, ça c'est pour se déplacer comme ça, ça je ne sais pas. Ça, on s'en fiche. Ah, je peux sprinter avec ça. Bon, regarde, je peux ouvrir. J'adore la direction artistique de ce jeu. Elle est juste incroyable. Donc du coup, hop. Toc. C'est ça. Ah oui, donc ok. Ah non, si on court, ça nous fait sauter automatiquement peut-être. Je ne sais pas. Alors, ah oui, en effet. Hop, hop. Bon, j'espère que c'est pas copyright cette musique, ce serait très chiant. Le voilà. Allez, cours, oui, je sais, je vais courir. Hop, 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 hop. Ok, je crois que ça a l'air d'être comme avant. Enfin, comme avant, comme Persona 5. Oh, ça fait du bien d'avoir ce jeu en français. Est-ce que c'était ce genre d'ennemi? Franchement, je connais pas par cœur Persona 5, mais... J'ai l'impression que c'est nouveau. Alors, gardien du bûcher. Oh, d'accord, ça ne veut pas m'expliquer, en fait. Ouais, vous avez jamais joué à Persona, mais c'est pas grave. Alors, arme, je peux viser, mais je crois que arme, c'est pas ce qu'il faut faire tout de suite. Utiliser arme de mêlée, on peut défendre, on peut utiliser des objets. Je peux utiliser à Persona. Alors, je peux faire ça. Ça me prend 12 PC, donc dégâts maudits élevés sur un ennemi et dégâts physiques colossaux sur un ennemi. Après, en fait, c'est un petit peu comme Pokémon, entre guillemets. C'est-à-dire que bon, il y a des faiblesses selon les types. On va tester dégâts maudits élevés sur un ennemi. Allez, Persona! Mince, je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si j'ai fait beaucoup de dégâts en fait. Ouh! Ah, si, ça va. Si je fais une attaque normale. Voilà. Ok. Ok, donc il m'arrache. Apparemment. Bon, à mon avis, je vais pas super bien jouer dès le début. C'est pour ça que je pense que la partie let's play en live sera très importante. Puisque vous pouvez m'expliquer un petit peu les choses que je peux rater dans ce jeu. C'est bien, tu les as battus facilement. Oh, il y en a d'autres. Reste sur tes gardes. En vrai, je vais... Ouais, ouais, oui, la porte. Ok, j'avais dit que c'était quoi pour courir, je ne sais plus. Ouais. Je vais baisser un petit peu le son, voilà, tu devrais pouvoir sortir par là, dépêche-toi. J'entends tout le monde, fonce sur le Joker. Nigata! Oui, je vais fuir. Ok, ok, d'accord, d'accord. Oh, ouais. Moi, j'explore tout. Non, à mon avis, il n'y a pas grand chose à explorer. On va juste sortir ici. Voilà. Donc pour couvrir, ah oui, voilà, c'est ça. Zou! Non, c'est pas par ici! C'est pas par ici! C'est là! Ah. Ok, c'était peut-être par ici finalement. Ok, c'était par ici. Alors. Surtout pas assez bon sang. Je ne peux pas confirmer la position de l'intrus. Allez, tout droit, stop! On a un problème, cache-toi! Ouais, ouais. Tu ne pourras pas t'échapper si tu continues à te battre. Cache-toi dans un recoin sombre et éclipse-toi dès que tu peux. Ok. Il est passé par là, c'est sûr. Compris, je continue à chercher. Et hop, il se barre. Allez, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Excusez-moi. Bon, alors, annulé. Ah, non, 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 non. Ah, mais il y en a combien? Le niveau de sécurité augmente si tu mets trop de temps. Je sais, je cherche une autre voie. Super timing, Joker, regarde là-haut. Tu peux l'utiliser pour voler jusque là-bas? Ah oui. L1, c'est ça. Toujours du mal avec les touches de PS4. Yep. Bah oui, on est... ouais. Bien sûr, on peut faire ça comme ça aussi. Maintenant, c'est tout droit.
Ouais. Ok, ok, c'est tout droit. Ça va mal se passer. Il va y avoir quelque chose. Ça me dit rien, cet endroit. Ok. Ok. C'est donc ça qu'on appelle une bonne mise en... Je ne sais pas. Une bonne entrée. Je détecte moins d'ennemis. Elle est... Donc ça, c'est le nouveau personnage de ce jeu. Je ne connais pas son nom. C'est une waifu. Incroyable. Mais elle est déjà badass. C'est une bonne... Une bonne mise en scène. Une bonne entrée. Non, je sais plus quel terme que je cherche à la bonne. Oh, les 7 OST, les OST qui... Les OST de ce jeu sont incroyables. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas combattu côte à côte. Mais oui, ça me paye. Ouais, ouais, à nous la victoire. Bon alors, est-ce que je peux connaître les... Donc là, c'est totalement nouveau. C'est bien ce que je me disais. Là, c'est totalement nouveau et ça, c'est bien. Du coup, on va pouvoir lancer un persona sur lui, hein, puisque je le sens que ça va être chiant. Hop. Allez, comment il s'appelle mon personnage? Je ne sais plus. Ah, elle fait des attaques automatiques. Bon, bah oui. Oh bah oui! Braquage! Ok, et on fait ça. Oh là là, oh là 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 là! Oh là là là! C'est incroyable! ああ。なら止めません。回答団じゃない私が口出しできることじゃありませんから。けど、前に言った約束忘れないでくださいね。 Bon, je vais pas trop spoiler par rapport aux informations qu'on a sur Persona 5, par rapport à certaines choses, par rapport à ce qui nous entoure actuellement. Ah, mais ça paraît bizarre qu'elle ne soit pas, qu'elle ne fasse pas partie des voleurs fantômes. Alors, il faut monter l'escalier au bout, allez, on y est presque. Ok. Et est-ce que là, est-ce que ça se passe comme dans Persona 5? じゃない。見つけて殺せ。どうしたの？そこが出口のはずだよ。これは。そういうことか。あの通りだ。下の階はほら全部塞がってるわね。ねえ、行ける？ あそこだ。逃げ場はないぞ。
元はな。恨むなら仲間を恨め。お前は売られたんだ。容疑者現人、現行犯逮捕。 効きすぎたか。起こせ。寝るな。まだわからないのか。無駄なんだよ。素直になれ。 それともお注射もう一本いくか。あ、カメラが気になるか。まさか可視化法なのに期待してるのか。そこまでバカじゃないか。おかげで我々も精一杯働けるってわけだ。 Ça me plaisait. Tout est flou, je ne me souviens pas. Alors, pour ceux qui recherchent le juste milieu... Ah, d'accord, on choisit la difficulté. C'est le chat que... Arrête, arrête. Il me bouffe les pieds. Alors, impossible, hein, je pense qu'on va passer en normal. Je viens de commencer, je pense qu'on va passer en normal. Ce choix n'affecte en rien l'histoire, vous pouvez changer de niveau à tout moment. Je pense que normal... Voilà, je pense qu'on va choisir normal. Oui. Dès là, il y a des trucs... Non. サインは手がなきゃできないが、足くらいなくても俺は困らんぞ。無事に出られるなんて思うなよ。嫌ってほど分からせてやる。やったことには責任がつきまとうってことをな。 Vas-y, il fait trop le mec. Il fait trop le mec. Bon, alors, comment on va s'appeler?
Dans quel ordre il faut que je le mette? Moi, je pense que je vais donner le nom à notre personnage. Notre personnage aura le nom qu'il a dans l'animé. Donc, j'ai envie de dire Ren Amamiya. Après, je ne sais plus quel est. Comment on orthographie? J'étais en train de regarder justement. Et c'est I-Y-A. I-Y-A. Ren Amamiya. Voilà son nom. Hop sur Ren Amamiya. Et c'est mon nom. Je peux aussi mentir. Donc c'est bon. J'ai changé d'avis. Finalement, je m'appelle pas comme ça. Incroyable.失礼、この先は。地検特捜部の新島です。検察、何の用です？いいから通して、緊急です。被疑者にどうしても確かめたいことが。新島さん、もうあんたに指揮権はないはずだ。それに、新島再検事ですか？ たった今、お宅の部長さんから電話があった。さっさと済ませてくれ。正直、迷惑なんだよ。やれやれ、待機を言い渡したはずだがな。責任者の私が尋問も許可されないんですか？そう言われちゃかなわんから電話をしてやった。自分で確かめるまで納得できません。これは私の仕事です。 検討を祈るよ。あまり期待はしてないがね。ああ、検事さん、大事なことを言い忘れた。時間を切らせてもらうよ。長話は許可できない。あんたのためだよ。何しろ奴の手口は不明なんだ。会って話すだけでも安全とは言えない。わかりました。 君だったとはね。もう一度、今度は私の質問に答えてもらうわ。あの連中、聞こえてる？いろいろあったようね。きっとここでは何でも起きるわ。私じゃ止められない。だから正直に答えて。それに私も時間がないの。目的は何だったの？ なぜこんな大事件を引き起こしたの？私は最初からいたずらだとは思ってなかったわ。でも立件には持ち込めなかった。手口がわからなかったから。 En quoi ça vous intéresse？ 裁判に使えるかは問題じゃない。知る必要があるの。これは私の仕事なんだから。まともに喋れるよね。君はいつどこであの世界のことを知ったの？ 他人の心なんて一体どうやったら盗めるの？さあ、話しなさい。すべてを。ね。あなたは。 あらかじめ未来を閉ざされた運命の囚われ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかし、この声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。お願いです。このゲームに打ち勝ち、世界を。 逆転の鍵は絆の記憶。仲間と掴んだ起死回生の真実。すべては半年前、ゲームが始まったあの日。どうか思い出して、あなたと世界の未来の。
Ok, bon, c'était la première partie du jeu. Elle n'est pas si différente que ça du Persona originel, du Persona 5 original, à part l'apparition de ce nouveau personnage qui apparemment n'est pas dans les voleurs fantômes. Voulez-vous sauvegarder votre progression? Je pense qu'il y a quelques aussi petites différences que je n'ai pas vues, puisque je n'ai pas vraiment joué au jeu, j'ai juste regardé des vidéos, mais c'est un changement majeur. Alors, voulez-vous sauvegarder votre progression? On va dire que oui, j'ai envie de sauvegarder. Et on va sauvegarder ici. La direction artistique est-elle changée? Ça me dit rien, ça. Mais voilà. Thank you for using this line. C'est quand même assez incroyable, toutes ces animations, et en plus de ça, si bien faites. Genre, elles sont tellement fluides, les animations de ce jeu. Et nous sommes dans le métro de Tokyo, je crois. Nous sommes à Tokyo, hein. Nous sommes définitivement au Japon, de toute manière. Si vous ne savez pas où aller, eh bien vous pouvez regarder en haut à droite de l'écran pour obtenir des indices. Et nous sommes dans le métro, c'est incroyable. J'adore. Je veux prendre le métro à Yongenjaya. Alors par contre, il y a le chat depuis tout à l'heure. Il essaie de s'incruster dans la vidéo. Non, arrête. Tu ne participeras pas à la vidéo. Par contre, ouais, les métros, il y en a beaucoup. Allez, ruelle. Je veux juste me balader. Mais les détails qu'il y a sur ce jeu sont incroyables. Genre tout. Genre il y a tout. Regardez, il y a des écritures partout. Je suis vraiment déçu qu'ils aient pas tout traduit, quoi. Bah moi, je vais prendre... Moi, je suis quelqu'un de sportif dans la vraie vie. Je vais prendre les escaliers. Oh! Ah! Mais est-ce qu'on ne reconnaîtrait pas? Bah, qu'est-ce qu'elle faisait à côté de nous? Mais je la reconnais! À côté d'aujourd'hui, Sojiro Sakura est mon tuteur légal. Je crois que sa maison se situe dans l'une des ruelles de ce quartier résidentiel. Je ne sais pas si on peut sauvegarder ici, mais on va sûrement se laisser ici, tourner la caméra en utilisant R, vous pouvez faire pivoter la caméra. Si vous appuyez sur O ou R3, vous pouvez rétablir la position par défaut de la caméra. Vous pouvez régler le sens de la vitesse. Faites pivoter pour regarder en ville. Alors, et on peut parler aux gens en faisant X, en faisant croix. Oh, c'est incroyable.
incroyable. Regardez, on peut se balader partout, les détails dans les rues. Il y a un chat qui se bat. Mais on dirait mon chat en plus. Bon, il n'a pas ses yeux comme ça. Mais regardez. Regardez. On va faire un comparatif. Regardez. Est-ce que ce serait pas le même chat? Mais si! Regardez, c'est totalement le même chat. Bon, il est parti. On ne peut plus comparer. Mais c'est le même chat. Et du coup... Oh là là, regardez. Il y a des vélos partout. Ça fait très bordélique. Ça fait naturel. Je suis fan. Je suis fan. Je viens à peine de commencer le jeu. Une demi-heure de jeu. Voilà. 10 sur 10. 11 sur 10, ce jeu. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce premier épisode de notre Let's Play sur Persona 5. Rendez-vous ce soir 20h30 sur Twitch. Le lien est dans la description pour eh bien, assister à la suite du jeu, pour commencer à bien évoluer dans ce jeu. Et aussi, on se redonne rendez-vous tous les mardis et vendredis sur ma chaîne Twitch. Les horaires peuvent dépendre. Généralement, c'est soit 20h30, soit 18h. Et pendant 2h minimum, on joue au jeu. Et n'oubliez pas le like, hein, ça me fera très plaisir pour le premier épisode de ce Let's Play. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde!